Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est toujours un plaisir pour moi, une joie pour moi de parler du Seigneur, de parler de l'amour de Dieu, de parler des choses de Dieu. Amen. Dieu est tellement bon. Il est amour. N'est-ce pas? Amen. Nous allons tous prendre notre Bible. Ne me dis pas, je n'ai pas de Bible. Non. Ne me dis pas que tu n'as pas de Bible. Ne me dis pas que tu ne sais pas où tu as rangé ta Bible. Amen. La parole de Dieu est importante. Chaque jour, tu dois plonger tes yeux dans la parole de Dieu pour connaître sa volonté. Amen. Tu es chrétien, comment tu peux marcher avec Dieu sans connaître sa parole? Tu me diras, je ne crois pas, que Dieu se révèle à toi chaque jour en songe. Il te parle tous les jours, du 1er janvier au 31 décembre, donc tu n'as pas besoin d'ouvrir la Bible. Non. Dieu sait pourquoi il a inspiré des hommes pour écrire la Bible. Amen. Tu dois avoir une Bible et la méditer tous les jours. Comme il est dit dans Josué 1:8, médite-la. Tous les jours, jour et nuit. Amen. Dieu se révèle à nous par des songes, par des prophéties, par plusieurs manières. Amen. Mais n'oublie pas sa parole. Quand il se révèle dans sa parole, il parle personnellement dans sa parole. Eh oui. Amen. Sa parole est une nourriture qui ne pourrit pas. C'est une bonne nourriture qui rassasie l'âme, qui fortifie le cœur, qui nous fait du bien. Amen. Tu vas prendre ta Bible dans le psaume, plutôt dans Proverbes 23, verset 26. Proverbes 23, verset 26. Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Amen. Proverbes 23, verset 26. Mon fils, donne-moi ton cœur. Dieu te parle aujourd'hui. Ma fille, Dieu te parle. Il dit, donne-moi ton cœur. Alléluia. Et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Tu me diras, mais je suis déjà convertie. Je suis déjà chrétien, chrétienne. Je vais à l'église, je sers Dieu. Il y a un autre passage dans la Bible où Dieu dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Amen. Ton cœur important pour Dieu. Et aujourd'hui, Dieu dit, donne-moi ton cœur. Peut-être avant, tu avais donné ton cœur, mais est-ce que les choses de ce monde, les plaisirs de ce monde ne sont pas entrés dans ton cœur? N'ont pas pris une place importante? Tu penses que Dieu est encore dans ton cœur? Mais peut-être que Dieu n'est plus dans ton cœur. Par la vie que tu mènes, par les pensées que tu entretiens jour et nuit contre les autres. Dieu dit dans sa parole que ce sont ceux qui ont le cœur pur qui le verront. Est-ce que ton cœur est pur?
Ce passage est tiré dans le livre de Matthieu. Je regarde pour trouver. Amen. Matthieu 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alléluia. Dieu désire que ton cœur soit pur. Oui. Dieu désire que tu aies des pensées pures. Amen. Dieu désire ton cœur. Où est ton cœur aujourd'hui? Sur le mariage? Sur les richesses de ce monde? Sur l'argent? C'est passager. C'est passager. Amen. Mais Dieu ne passera pas. Sa parole ne passera pas. Aujourd'hui, pour ton salut, il te dit, donne-moi ton cœur. Je ne sais pas ce que tu as fait rentrer dans ton cœur. Mais Dieu te dit aujourd'hui, donne-moi ton cœur. Alors sans hésiter, dis Seigneur, voici mon cœur, je te le donne. Pardonne-moi, je me suis égaré. Pardonne-moi, j'ai cherché les choses de ce monde, oubliant que toi tu es la source de vie. Toi tu es la vie. Je suis allé à gauche, je suis allé à droite, t'oubliant, m'éloignant de ta parole. Pardonne-moi Seigneur, je reviens devant toi. Voici mon cœur. Le Seigneur Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Dis Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Je t'ouvre mon cœur, entre Seigneur et prends la place du roi. Prends la place du maître et règne dans mon cœur. Dirige mes pensées, dirige mes pas et que je ne m'éloigne plus de toi. Car je veux te faire plaisir. N'est-ce pas Dieu qui dit dans sa parole de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force? Est-ce ton cas? Mais pourquoi Dieu permet qu'on lise ce passage ce soir? Examine ta vie. Réfléchis. Qu'est-ce que tu fais actuellement? Qu'est-ce que tu as fait hier? Dieu veut ton cœur. Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie, si je ne me trompe pas du passage. Amen. Tu peux être assis à l'église chaque dimanche, même du lundi au dimanche, mais tu es seulement présent de corps. Mais ton cœur n'y est pas. Tu vas à l'église pour faire plaisir à tes parents, à ton futur conjoint, mais tu blagues Dieu. Amen. Tu blagues Dieu. Lève-toi et dis Seigneur, voici mon cœur. Voici mon cœur, je te le donne. Je réponds positivement à ton appel. Je te donne mon cœur. Et à partir d'aujourd'hui, mes yeux se tournent vers toi. Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Pas avec une partie de mon cœur. Alléluia. Qui ne connaît pas l'amour? Qui n'a jamais été amoureux? Quand tu es amoureux de quelqu'un, n'est-ce pas ton cœur que tu donnes à cette personne? Tu penses à cette personne jour et nuit. Tu veux voir cette personne, tu veux passer du temps avec cette personne, tu te sens bien quand tu es avec cette personne. Vous passez des moments ensemble qui te procurent la joie. Mais et avec Dieu, est-ce pareil? Est-ce pareil?
Qu'est-ce que tu trouves un temps dans la journée pour t'approcher de ton amoureux, le grand Dieu? Non. C'est difficile pour toi de prier. C'est difficile pour toi de méditer la parole de Dieu. Tu attends que le dimanche pour ouvrir ta Bible à l'église. Mais tu n'as aucune relation intime avec Dieu. Mais c'est pour cela qu'il te dit aujourd'hui, donne-moi ton cœur. Parce que ton cœur n'est pas à Dieu. Tu crois que tu es dans les choses de Dieu, mais non. Ton cœur n'est pas à Dieu. Tu n'as aucune intimité avec Dieu. Tu as une intimité avec ton conjoint, avec ton fiancé, avec ta fiancée. Mais et avec Dieu? Tu n'as aucune intimité. Mais c'est pour cela qu'il te dit, donne-moi ton cœur. Dieu te veut chaque jour dans sa présence. Chaque jour, tu dois trouver un temps pour t'approcher de Dieu, pour dire, Dieu, me voici. Mon amour de Dieu, me voici. Me voici. Chaque jour, tu dois dire au Seigneur, je t'aime. Quand tu écoutes souvent des amoureux parler, ils s'appellent mon cœur, mon bébé, ma fleur, ma biche, mon rayon de soleil. Mais et Dieu? Tu l'appelles comment? Pourtant, tu dis, tu aimes Dieu, tu es chrétien. Mais Dieu, quand tu pries, qu'est-ce que tu dis? Lis tout le livre de Psaumes, tu vas voir comment David appelait Dieu. Et toi, est-ce que tu peux dire au Seigneur, tu es mon rayon de soleil? Tu peux dire au Seigneur, tu es ma source. Sans toi, je ne peux pas vivre. Tu peux dire cela au Seigneur? Je me pose la question. Pourtant, tu dis, tu es chrétien, tu es chrétienne. Amen. Lève-toi et parle à Dieu. Dis, Seigneur, voici mon cœur. Je ne peux pas aimer mon époux, mon conjoint, mon parent plus que toi. Ce n'est pas possible. À partir d'aujourd'hui, prends ta place dans mon cœur, car je te le donne. Amen, car je te le donne. Mon cœur t'appartient. Je t'appartiens. Amen. Soyez tous bénis. Cette petite exhortation pour nous rappeler que nous devons aimer Dieu de tout notre cœur. Amen. Soyez bénis.